Alors écoutez, d'abord, j'ai été très heureux de revoir ce gouverneur. À chaque fois que je viens à Angers, j'essaye de m'entretenir avec lui. Et la dernière fois que j'étais venu, pas plus tard qu'il y a 15 jours, il y a deux semaines, nous nous sommes vus que très fugitivement à l'aéroport au moment où je partais d'Angers et où lui revenait de la Réunion. Il avait été, vous le savez, avec les deux autres gouverneurs pour parler des projets de coopération que le département et la région de la Réunion ont avec les Comores. Bien, comme à chaque fois, je parle, on évoque la situation générale et puis les projets. Et je voulais partager avec lui un peu la joie que j'avais eue il y a 15 jours en venant à Anjouan de voir la progression des travaux de l'école de Mridjou dans le Nyomakele, de parler de notre projet d'accompagnement de la commune de Domoni et des communes alentour pour l'adduction d'eau potable. C'est un projet qui redémarre. Je trouve que c'est une bonne chose. J'avais été content de voir le projet avec lequel nous accompagnons à côté de Moutsamoudou des femmes dans un projet d'autonomisation grâce à l'entrepreneuriat agricole, l'élevage de caprins, l'élevage de pintades. Voilà, donc je voulais évoquer avec lui toutes ces choses très, vraiment très concrètes. Nos projets de développement. Plus généralement, ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir accompagner Anjouan dans des projets, à la fois des projets très, très structurants, construction d'écoles, l'eau, et puis des projets d'aide à l'entrepreneuriat. L'objectif étant derrière, bien sûr, d'aider à créer de l'emploi, j'espère de créer de la richesse pour les Anjouanaises, pour les Anjouanais. Voilà. Donc on a pu longuement parler de ces projets. On s'est parlé aussi de quelque chose qui, je sais, tient à cœur aux Anjouanaises et aux Anjouanais, le fait que l'antenne consulaire à Moutsamoudou, depuis maintenant le mois de janvier, ne délivre pas visa, parce que j'ai été amené à suspendre l'activité et pas le fermer. Et expliquer au gouverneur la manière dont, à partir de 2023, on pourra avoir un mécanisme qui permettra, à travers des missions très régulières aux Anjouanaises et aux Anjouanais, de déposer à nouveau leur demande de visa directement à l'antenne consulaire de Moutsamoudou. Ça, ce sera un épisode qui sera derrière nous. Moi, ça fait partie des choses dont on se parlait déjà depuis longtemps avec le gouverneur, donc je pense qu'il en est, il en est content, et l'idée c'est qu'on trouve des solutions ensemble. Voilà. Ça n'a pas été tout à fait une surprise pour lui, parce qu'il savait que j'avais promis que je chercherais à trouver des solutions aussi rapidement que possible. Voilà, je pense qu'il en était content. Je pense que le mieux c'est de lui demander directement. Je n'ai pas parlé en ce moment. Voilà. Ah ben je peux vous en parler si vous le souhaitez. Les étudiants. Alors déjà, vous le savez, j'ai fait un événement à Campus France, à Moroni, il y a une dizaine de jours. De façon générale, il y a aujourd'hui un peu plus de 3500, 3600 étudiants comoriens qui étudient en France. Ce qu'on peut noter sur les années qui viennent de s'écouler, c'est qu'on délivre de plus en plus de visas pour études à des étudiants comoriens, en tout cas à des jeunes comoriens qui sont candidats à faire des études en France. Non, on ne délivre pas des visas étudiants à tous ceux qui voudraient avoir des visas étudiants, parce que l'un des prérequis, c'est pas pour les embêter, c'est juste pour leur accroître leurs chances de succès, c'est une bonne maîtrise de la langue française. C'est pour ça qu'on fait passer des tests EvaLang qui permettent de voir où les gens y sont. C'est EvaLang, c'est autre chose, c'est un petit test mais qui permet aux étudiants de savoir où ils en sont. Donc, certains ne sont pas au niveau et dans ce cas-là, on leur dit vous devriez plutôt renforcer vos compétences en français. Voilà, Campus France a fait ce qu'on appelle une caravane. Il est venu ici à Anjouan à la rencontre des élèves de première, de terminale. Je crois qu'ils ont pu rencontrer 3000 élèves sur la totalité du pays, à Grande Comore, à Anjouan et à Moulin. Voilà, donc c'est vraiment une politique de la France, hein, de façon générale, l'accueil des étudiants étrangers en France, c'est la même chose pour les Comores, pour accueillir les étudiants comoriens. Il y a vraiment
à la fois un nombre déjà assez significatif d'étudiants comoriens qui font des études supérieures en France, et puis nous délivrons chaque année maintenant de plus en plus de visas étudiants. Donc c'est assez significatif. Sur les 3 dernières années, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on est sur peut-être plus 25 ou plus 30%, même plus que ça, je crois, de visas délivrés à des jeunes comoriens, des jeunes comoriennes qui veulent aller faire leur cycle en France. Voilà. Merci.